Coucou à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, vous ne rêvez pas, ça fait longtemps que certains l'attendaient. D'autres peut-être découvriront ce concept. Les Hunger Games of Sims sont de retour. La première édition était sur la série Game of Thrones. Puis j'avais fait avec les princesses Disney. Et Disney, ça vous a bien plu quand même, beaucoup plus que Game of Thrones. Alors je me suis dit, pourquoi pas dans ce cas partir sur du Disney, mais version vilain de Disney. Et voilà, l'édition des vilains de Disney est maintenant en train de commencer sous vos yeux ébahis. Je sais, vous êtes ravis. D'ailleurs, n'oubliez pas le petit like, évidemment, pour m'encourager, pour faire plusieurs autres Hunger Games of Sims. Ça fait déjà 2 ans que le Hunger Games of Sims Disney des princesses a été diffusé. Il fallait bien que je refasse une 3e saison et puis je vous l'avais promis. Donc c'est parti, on commence maintenant. C'est dans ce superbe château créé par Simoniona, une talentueuse créatrice et constructrice que je suis déjà depuis un moment sur Twitter. Elle l'a fait en version blanche et joyeuse. Moi, j'ai juste reteint un peu tout en noir pour donner ce côté un peu sombre et dark, puisqu'on est quand même chez les vilains Disney, que l'on retrouve les protagonistes d'aujourd'hui. Ils sont pour l'instant 8, mais ça ne va pas durer, puisqu'à la fin de l'épisode, il en restera 7. Et jusqu'à temps qu'il en restera 1 pour savoir qui sera le meilleur des vilains Disney. Ils font ici connaissance dans la grande salle du château où on a Ursula, on a Madame de Tremaine, on a Maléfique, on a Docteur Facilier et on en a d'autres. On a aussi Jafar, je sais pas où il est Jafar. Non, Jafar, oh là là, ils font déjà des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ben oui, parce que ça va être dans la compète ça. Hein. Alors, venez tous ici là les enfants, allez hop. Réunion dans la salle que je vous présente. Non, t'aimes pas les jeux vidéo, décidément. Hein. Ils sont dissidents aujourd'hui. Les voilà enfin réunis. Il y a donc Docteur Facilier, il y a Gaston, il y a, comment il s'appelle déjà celui-là, Hadès, il y a Jafar, et il y a Grimild. Voilà, alors elle avait un CC, mais qui la rendait, enfin qui buguait complètement sur elle en gameplay. Donc, bah, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai remplacé sa robe par une robe de vampire. Mais ça lui va plutôt pas mal. Les CC sont tous trouvables sur internet, j'ai pas pris les liens. Mais ils sont trouvables, c'est facile. Et sans plus attendre... Ouais, non madame, non, tu chantes pas bien, on veut pas savoir. Et on veut savoir par contre qui sera la première victime. Le plus faible de ces vilains, puisque c'est maintenant qu'on va aller voir. C'est sur ce terrain adjacent, hein, voilà, au château qui est là, parce que il y a rien de mieux que de traîner dans le coin des vampires pour revenir ici, hein. Alors, allez ici ensemble, ben oui, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, ils sont tous effrayés. La première élimination se fera sur un mur d'escalade. Un petit indice pour les futures éliminations et un petit sauna. Je sais pas, il va peut-être servir aujourd'hui, sûrement d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais revenez tous ici, ils sont flippés. Je sais pas ce qu'ils ont, ça va pas du tout. Ah, c'est le monde qui leur plaît pas, mais bon, si c'est des vilains, logiquement, ils devraient être contents, quoi. Je veux dire, ça leur correspond. Et on va les mettre tous face à leur mur d'escalade pour ensuite voir lequel d'entre eux, tout simplement, le premier qui tombera du mur, il aura perdu, quoi, je veux dire. On va tous leur donner un défi d'endurance. On va leur donner l'ordre de grimper avec une légère inclinaison à chacun. Le même défi. Ah, que c'est beau, regardez-les tous comme dans les randonnions, là. Abusés, ils sont trop beaux. Attention. 3, 2, 1. Ils font tous en même temps, c'est un kiff. Oh oui! Tous en même temps! Allez, le premier qui tombe sera le premier éliminé de cet épisode. Aïe. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre méchant préféré et celui que vous détestez le plus. Enfin bref, celui que vous voudriez mourir et celui que vous voudriez voir gagner. Ah, vous voyez pas Ursula, désolé. Ah ouais. Je sais, alors... Je sais que Gaston est plutôt actif, c'est le seul qui a le trait actif dans ses traits de personnalité, tous les autres n'ont pas ça. Donc je sais pas du tout s'il sera avantagé ou pas pour ce défi. Peut-être pas, d'ailleurs. Pour l'instant, ils y arrivent tous, hein.
J'adore les. On voit les pieds d'Ursula, mais on voit pas ses jambes. C'est n'importe quoi. Donc, premier qui tombe ou premier qui arrête, bien sûr, sera éliminé. Oula, 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 oula. Maléfique, Maléfique revient, c'est bon, tout va bien. Ah, Maléfique, elle a un CC de ouf. Elle est incroyable, ce personnage. Là, comme ça, dans les Sims, c'est un vrai plaisir. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Qui tombera en premier pour l'instant? Ils y durent tous, hein, ils durent tous. Oh là 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 là, Gaston! Ah! Ah ouais, alors. Je sais pas, ils ont été plusieurs à tomber en même temps, là. Ben mince, alors, comment je fais, moi? Ah oui, vous avez acquis la compétence fitness? Ah ouais, mais comment je fais pour savoir qui? Oh, c'est ballot, hein! Bah écoutez, je vais couper les rushs, mon enregistrement, et je re-regarde pour savoir qui a été le premier à toucher le sol. Parce que là, en fait, ils ont été quatre. Ou alors, je refais une compète entre les quatre. Je vais regarder les rushs, et je reviens juste après. J'ai regardé les replays, pour moi, il y en a trois qui tombent en même temps. Maléfique, Grimild et Hadès posent le pied en même temps. Alors, on va faire tout simplement un test. On va les faire affronter les uns contre les autres, tout simplement. Et l'un des trois sera éliminé. Alors que je renvoie les autres dans leur maison, nous gardons ces trois vilains. Et on va les faire se confronter les uns aux autres. C'est parti! Ils vont s'affronter. Bon, alors Hadès, il commence déjà à prendre un peu de retard, là, je l'ai vu. Allez, c'est parti! Ouais, non, mais il a déjà... Il a un décalage, hein. Il a 2-3 secondes de décalage. On le saura. Donc maintenant, ça se joue entre trois. Le premier des trois. J'ai même pas le temps de finir ma phrase. Maléfique, bien sûr. J'ai encensé ton CC, j'ai encensé ton style. Et tu préfères t'en moquer. Tu seras donc éliminé. Maléfique, c'est trop tard pour toi. Ah, c'est trop tard pour toi. C'est trop tard pour toi, Maléfique, tu peux descendre. Tu es dead et tu n'es plus alive. On va faire rentrer les autres chez eux. Ma petite Maléfique, ton heure est venue. Ça va vite ici, hein. C'est les Hunger Games of Sims. J'étais dit non, mais la meuf, elle dit non, mais c'est bon, regarde, je sais faire et tout. Non, mais regardez. Elle avait tellement la classe. Incroyable. Eh ben, c'en est fini pour toi, ma petite Maléfique. Tu t'es pas en forme, Maléfique, tu es éreintée. Écoute, ma belle, je te propose donc d'aller dans ton superbe sauna pour te détendre. Parce qu'il en est fini de toi à présent. C'est fini de toi, ma belle. Alors, si vous vous demandez qui est ce Sims avec, j'ai pris un Sims lambda pour pas que ça m'écrive partie terminée. Ce Sims ne servira juste à pouvoir faire mourir les autres Sims sur ce terrain. Allez, ma belle, tu vas pouvoir te détendre. On va surtout fermer, verrouiller la porte pour tout le monde. Ah oui, dis donc, ça change, hein, sans ces artifices, là, sans ces... Elle aurait presque l'air normale, à part la peau, un peu. Ah, regardez-moi comme elle est mauvaise. Elle rit comme une mauvaise personne. Mais tu vas te détendre parce que tu es éreintée, ma cocotte. Ah, dis donc, ça va mieux. Elle est quand même sous son svelte. Elle est moins éreintée, là. Ça va aller mieux. À force de se détendre, peut-être que il se passera quelque chose de pas cool. Overdose de vapeur. Trop de vapeur, tu la vapeur. Et donne une peau fripée. T'auras pas le temps d'avoir une peau fripée, tu sais, ma belle. T'auras vraiment pas le temps. Ah, 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 ah. Oui, ça y est. Pour Maléfique, c'en est fini. Bienvenue dans le quartier. Regarde, t'as que les copines qui viennent te voir mourir dans ton bocal. C'est stupide. Maléfique, tu n'étais pas assez vilaine. Tu ne gagneras pas ce Hunger Game of Sims, tu es le maillon faible. Au revoir. Ça va les autres? Vous avez pas peur de mourir aussi? Ah bah du coup il avait ramené le petit cake. Oh c'est mignon. En plus les machines elles sont cassées maintenant. Bah bravo. Allez faucheuse, emmène cette vilaine beaucoup pas assez vilaine à notre goût.
Et on se reverra une prochaine fois pour la suite des aventures de ce Hunger Games spécial vilain Disney. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à partager la chaîne et la vidéo un peu partout sur les réseaux. Oh, trop mignonne cette faucheuse. Des bisous. Ciao.